Avec Bob, Charlie et Dahlia, vous avez développé un appareil qui vous permet de contrôler une ville quantique reconnue pour ses deux magnifiques statues de couleur orange ou indigo. Une première statue se trouve au parc Osis, alors que l'autre enjolive le parc Ida. Vous apprenez que les statues se font constamment vandaliser, alors vous décidez d'agir. Votre approche doit prendre en compte le modus operandi des vandales. À chaque nuit, Equilibria et Constantin se concertent pour déterminer qui modifiera la couleur des statues en suivant une approche qui les distingue. Quand Equilibria sévit, elle repeint la statue d'un des deux parcs dans sa couleur opposée. Constantin, lui, procrastine ou aime le dur labeur. Soit il s'abstient et ne repeint aucune statue, soit il repeint les deux statues dans leur couleur opposée. Votre défi? Au lever du soleil, déterminez le plus vite possible quel vandale a sévi la nuit précédente. Avant de représenter la situation sur un ordinateur quantique, définissons les éléments suivants. Tout au long de cet algorithme, nous identifions le parc Osis par 0 et le parc Ida par 1. Les deux vandales utilisent une fonction qui leur est propre pour déterminer s'ils doivent repeindre la statue d'un parc donné. La fonction dépend du parc visé. Lorsque cette fonction renvoie 0, la statue du parc visé n'est pas repeinte. Si elle renvoie 1, la statue est repeinte dans sa couleur opposée. Dans notre épineuse situation, Constantin utilise une fonction dite constante, c'est-à-dire que f de 0 égale f de 1. Le résultat est le même, peu importe dans quel parc se trouve la statue. Les statues ne sont pas repeintes si f de 0 et f de 1 égale 0, et elles sont toutes deux repeintes dans leur couleur opposée si f de 0 et f de 1 égale 1. Equilibria utilise plutôt une fonction dite équilibrée, c'est-à-dire que f de 0 n'égale pas f de 1. Elle repeint toujours la statue d'un seul des deux parcs. Si elle repeint la statue du parc Osis, c'est que f de 0 égale 1 et elle ne repeint pas celle du parc Ida, car f de 1 égale 0. Le contraire se produit quand f de 0 égale 0 et f de 1 égale 1. Pour résoudre la situation, vous devez déterminer si la fonction est constante ou équilibrée. Dans une ville classique, vous devriez vous rendre à chacune des deux statues pour voir s'il y a de la peinture fraîche et ainsi déterminer la personne à l'origine du méfait. Mais dans la ville que vous contrôlez, vous avez un avantage quantique. Vous pouvez déduire lequel des deux vandales a agi en observant qu'un seul parc. C'est la mesure du système quantique. Pour cela, vous devez utiliser une statue quantique et l'algorithme de Deutsch. Pour utiliser l'algorithme de Deutsch sur un ordinateur quantique, nous utiliserons plusieurs portes quantiques et le retour de phase. La porte note transforme l'état des qubits en leur état opposé. La porte synote utilise deux qubits, un qubit de contrôle ainsi qu'un qubit cible. Si le qubit de contrôle est dans l'état 1, une porte note est appliquée au qubit cible. La porte Adamar place un qubit en superposition des états 0 et 1. Finalement, voici un exemple de retour de phase. Quand deux qubits sont dans l'état plus et qu'on applique un synote, rien ne se passe. En revanche, si le qubit cible est dans l'état moins, un retour de phase se produit sur le qubit de contrôle à l'application du synote sans changer l'état du qubit cible. La statue quantique dont vous disposez possède des propriétés exceptionnelles. D'abord, elle peut être dans les deux parcs en même temps, c'est-à-dire que l'état de sa position est une superposition de Osis et Ida. Ensuite, elle peut être en superposition de couleurs, soit orange et indigo, en même temps. Nous allons décrire la situation à l'aide d'un circuit quantique à deux qubits. Le qubit Q0 détermine dans quel parc se trouve la statue, et le qubit Q1 détermine sa couleur. Nous dirons que la couleur orange est 0 et que la couleur indigo est 1. D'abord, vous installez la statue au parc Osis, puis appliquez une porte Adamar sur sa position pour qu'elle se trouve aux deux parcs en même temps. Ensuite, vous placez l'état quantique de la couleur de la statue en superposition d'orange et indigo, suivant l'état moins, en appliquant les portes Note et Adamar sur Q1. Dans la boîte suivante, nous allons voir comment agissent Constantin et Equilibria avec cette statue quantique. Si Constantin procrastine et qu'il ne change pas les couleurs des statues,
difficile d'imaginer un circuit plus simple. Il n'y a aucune porte à ajouter sur Q1. Dans le scénario opposé, il inverse la couleur de la statue indépendamment du parc où elle se trouve. Une simple porte-note appliquée sur Q1 permet de réaliser ceci. Poursuivons avec le modus operandi d'Equilibria. Si elle change la couleur de la statue du parc Ida, on peut représenter ce cas par une simple porte 6 notes entre Q0 et Q1. Ainsi, la couleur sur Q1 n'est changée que lorsqu'elle est dans le parc Ida. Equilibria pourrait aussi changer la couleur de la statue du parc Osis. Dans l'algorithme de Deutsch, l'action d'Equilibria ou Constantin se nomme l'oracle. Dans ce contexte-ci, l'oracle est donc un circuit quantique qui implémente une fonction constante ou équilibrée. L'oracle reçoit sur le premier qubit la valeur du parc P et la retourne à sa sortie. Sur le deuxième qubit, l'oracle reçoit la couleur C et l'additionne modulo 2 avec F de P pour donner la couleur finale. Il ne vous reste qu'à appliquer une porte Adamar sur la position de la statue. Si la statue est au parc Osis, c'est Constantin qui a fait le coup. Sinon, c'est Equilibria. Pour comprendre comment fonctionne l'algorithme de Deutsch, revoyons les circuits des actions de Constantin et Equilibria. Dans le cas de Constantin, il n'y a que deux portes Adamar sur Q0. Comme la porte Adamar est sa propre inverse, Q0 se retrouve systématiquement dans l'état 0 et le résultat est toujours le suivant. Puisqu'on ne mesure que Q0, on ne présente que les résultats de ce qubit. Si c'est plutôt Equilibria qui applique la peinture, les circuits sont les suivants. Les résultats de mesure sont équivalents dans les deux cas. La mesure de Q0, c'est-à-dire l'observation du parc où se trouve la statue à la fin de l'algorithme, permet donc d'identifier quel vandale a sévi. Fait intéressant, regarder la couleur de la statue, soit mesurer Q1, ne vous apprend rien sur l'identité de la personne fautive. L'algorithme de Deutsch présente un avantage quantique. Vous êtes arrivé à déterminer si la fonction f de p est constante ou équilibrée en ne l'évaluant qu'une seule fois. Autrement dit, dans un monde quantique, vous pouvez déterminer quel vandale a sévi en observant qu'un seul parc, alors que vous auriez patrouillé les deux dans un monde classique. Une version plus générale de l'algorithme de Deutsch pourrait être utilisée pour une ville comportant un plus grand nombre de parcs. À nouveau, il ne vous faudrait qu'une seule statue quantique pour réussir. Avec cette stratégie, les vandales n'ont qu'à bien se tenir.